Bonjour les enfants! Aujourd'hui, bricole avec Karaté Sportif. Mais j'avais un invité spécial la dernière fois, c'était Chuto. Mais j'ai téléphoné à Aito et elle est capable de venir aujourd'hui, mais je la trouve pas. Est-ce que tu veux l'appeler avec nous? Appelle-la, appelle-la. Aito! 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 Aujourd'hui, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on fait? Nous? On fait des étoiles ninja! Youpi! Ah oui! Youpi! D'habitude, on prend des étoiles en plastique. Donc, on a l'étoile de feu, on a l'étoile de terre et on a l'étoile de l'eau. Ça, c'est trois étoiles qu'on a au karaté. Mais les enfants, là, ils n'ont pas ça à la maison. Il va falloir qu'ils la bricolent, leur étoile ninja. Je suis capable de réussir, monsieur! C'est pas très compliqué. Pour le premier niveau d'étoile ninja, ça prend du carton. Moi, j'ai plusieurs couleurs de carton. Ou et des crayons et un peu de colle. La colle que tu veux. Quelle couleur tu veux qu'on fasse notre étoile ninja aujourd'hui? Jaune, vert ou rouge? J'aime le rouge et le rose aussi, comme une boucle. Mes boucles sur mes cheveux. C'est vrai, hein? Oui. Alors, c'est des belles boucles en plus que tu as. OK, on prend le rouge. On prend le rouge aujourd'hui. Et c'est un peu spécial. Il faut connaître karaté sportif parce que... On va faire le triangle de karaté sportif. Oh oui, le triangle, le karaté, la garderie, l'école et la maison. Et voilà. Et en ce moment, c'est très important de rassembler les trois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un beau triangle. Tu dessines comme tu peux sur un carton. J'en dessine un triangle. Et voilà. Donc, j'ai dessiné mon premier triangle. Tu vois, hein? Je suis bon en dessin. Wow! Je me pratique beaucoup. Pratique plus effort égal. Succès! Et voilà. Mais j'en fais un deuxième triangle. J'essaie de le faire à peu près la même dimension. Et voilà, j'ai fait mon deuxième triangle. Et là, il faut prendre des ciseaux. Il faut faire attention. Les ciseaux, on doit faire prendre son temps, monsieur Samuel. Exactement. Toujours avoir un adulte à côté de nous pour être sûr de ne pas se couper. Sinon, il peut même nous aider. Je coupe les triangles. Et de un. Et de deux. Comme ça. Et là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a des crayons de couleur aussi. Tu vas pouvoir la décorer, ton étoile ninja. Oui, j'ai appris à écrire mon nom, monsieur Samuel. Écris ton nom toute seule. Oui. Wow. Elle est bonne. Et là, je prends... Moi, j'ai de la colle sur moi. Tu peux prendre de la colle en menton, très normal. Et je fais un petit peu de colle ici. Je mets les deux triangles, un sur l'autre. Et voilà, deux triangles, étoile ninja, niveau 1. On va la lancer, très simple. Tu t'assures qu'il n'y a pas rien à côté de toi et tu peux essayer de la lancer tranquillement. Aito, est-ce que tu es prête à voir le niveau avancé d'étoile ninja? Oui! Oh là là, là, c'est de l'origami. De l'origami, donc il va falloir que tu plies une feuille. Tu prends une feuille blanche, comme ceci, que tu as à la maison. J'espère que tu as des feuilles blanches à la maison. Oui, beaucoup. Génial. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de justement se faire un carré avec notre feuille blanche. Donc, attention, hein, c'est vraiment de l'origami. Donc, il faut être très, très précis. Concentrer les yeux, concentrer l'esprit, concentrer le corps. Bravo, Aito. Donc, je prends la feuille, je fais un premier triangle et je le mets sur le côté. Attention, là, il faut vraiment que ça ressemble à ceci. Donc, j'ai un excédent ici que je vais devoir couper. Encore une fois, avec des ciseaux. Attention! Bon, je coupe tranquillement, je fais attention. Pour faire cette étoile-là, je vous dis tout de suite, il faut être très, très précis. Il faut avoir le moins possible de débordement. Sinon, ton étoile, ça se peut que ça soit un peu difficile à faire. Demande l'aide de tes parents des fois, ça peut aider. Donc, j'ai mon vrai carré. Ça, c'est un vrai carré pour une feuille. Maintenant, je la plie en deux. Donc, je fais juste plier en deux comme ça. Et voilà, et je coupe encore. Il faut que je coupe le carré en deux. Donc, je coupe ici. Soyez précis. Super important, la précision. Comme quand on lance une étoile ninja, on est précis. Hein? Oui. Et voilà. Ah, et voilà. J'ai mes deux moitiés. Mes deux moitiés. Hey, ça en fait beaucoup. Il faut que je les plie encore en deux. Donc, je les plie en deux. Hop, ici. Je suis précis. J'essaie de les mettre le plus possible égal. Oh oui, comme ça. Et comme ça. Génial. Et une moitié. Et une autre moitié comme ça. Oh oui, je suis égal. Et c'est là l'erreur que tout le monde fait dans l'origami. Il faut vraiment prendre les deux moitiés et regarde bien. J'ai les tranches de chaque côté ici. Une autre tranche ici. Il faut qu'elles se fassent face. Si les deux tranches sont face à face, tu vas réussir. Si elles sont de l'autre côté, aïe aïe aïe.
Là, tu n'as pas réussi. L'étoile ninja, il va falloir recommencer, mais c'est avec la persévérance qu'on réussit. Hein? Donc, oui. Les deux tranches comme ceci, je les mets face à face. Et là, une fois que ça c'est fait, tu les plies en deux. Donc, je plie en deux ici. Donc, j'ai pris, je les plie en deux. Je fais la même chose. C'est toujours en double. Donc, pour réussir l'étoile ninja, il faut que tu fasses tout en double. Ici, en deux aussi. Donc, j'ai plié en deux. Je m'assure encore que les deux tranches se font face. Tu vois? Un, deux. Oh, c'est bon ça, tu es capable de compter aussi. Chuto avait réussi à compter aussi hein, l'autre fois. Oh là là. C'est mon grand frère, Chuto, c'est mon grand frère. Grand frère, en plus, oui. Est-ce que tu l'as ton grand frère? Oh, je l'attends, monsieur Samuel. Tu lui fais beaucoup de câlins? Oui. Oh, génial. Oui, oui. Donc, je prends ici et je plie. Et là, c'est super important. La ligne du milieu est là pour te donner un guide. Je plie de côté. Il faut que je suive vraiment bien la ligne du milieu, comme ceci. Quand j'ai réussi, je fais de l'autre côté, même chose. Hop. Donc, il faut que ça ressemble à ceci. Super important, on fait la même chose à l'inverse de l'autre côté. Ça, c'est important. Donc, je prends, je vais de l'autre côté, je plie en diagonale. J'essaie de suivre la ligne. Encore une fois, précision. L'origami, c'est beaucoup de précision. Et je vais de l'autre côté. Si tu as ces deux morceaux face à face, de chaque côté, comme un miroir, tu vas réussir. On continue. Réussi! Et voilà. Donc maintenant, je tourne de l'autre côté. Donc, il faut que tu les renverses de l'autre côté. Donc, d'ici à là. Et là, je fais des triangles. Regarde bien. Je plie le coin. Hop! Ça me fait penser à un triangle, ça. Karaté sportif! Oui! Et voilà. Oui. De l'autre côté. Et voilà. Je plie. Si tu as ceci, tu vas réussir. Attention, fais la même chose de l'autre côté. Si tu mets le karaté, tape dans les mains. Si tu mets le karaté, tape dans les mains. Tu chantes bien, Aito. Oh, attention, maintenant, j'ai mes deux côtés. On se prépare. Et c'est là, le côté difficile. Tu prends tes deux moitiés. Le devant, où qu'il n'y a pas de petite ligne. Donc, de l'autre côté, regarde bien. Ah non, là, j'ai une fente, ça ne marche pas. Il faut que je les mette de l'autre côté. Donc, ça, c'est droit ici, à plat, et je les colle un sur l'autre. Ça commence à donner un résultat. Et c'est là, regardez bien, les amis. On prend le premier triangle, karaté sportif, et on le met ici. On le rentre à l'intérieur. Et de un, attention, je tourne. Je prends le deuxième, je le rentre à l'intérieur. Et voilà, ça sent bien, on voit le résultat. Attention, je prends l'autre triangle, je le rentre à l'intérieur. Tu vas voir, il va y avoir un petit espace pour le mettre. Et le dernier, attention. Et voilà, tu as ton étoile ninja avancé. Bravo, monsieur Samuel. Et là, c'est intéressant, si tu es bricoleur ou bricoleuse un peu, tu peux même prendre une autre feuille, te faire une cible, l'accrocher à un mur. Et cette étoile-là se lance très, très bien. En plus, c'est du papier. Tu peux même la colorier. Moi, j'ai essayé de me colorier une étoile ninja noire, comme ceci, qui vole très vite. Ou sinon, étoile ninja karaté sportif, bien sûr. Oh, elle est jolie! Oh, elle est très belle, monsieur Samuel! Bricole avec moi, avec karaté sportif. Merci. Merci, les amis. Bye bye, à la prochaine.